C'était un soir sans histoire, une fin de journée au destin sobre. 21h sans espoir, un mercredi d'octobre. Sur le macadam fatigué, trottoir en pente, rue des dames. Très loin des drames agités, c'est ma première soirée slam. Des êtres humains dans un café sont regroupés pour s'écouter. Ils prennent la parole un par un et mes oreilles sont envoûtées. Des humains à égalité, chacun est libre de se lancer. Le principe est très simple, encore fallait-il y penser. Je suis d'abord resté passif, mais j'ai tout de suite rêvé d'action. Je suis d'abord resté pensif pour comprendre cette révélation. J'ai pris une avalanche de rimes et une cascade de thèmes. Si loin du star system, tu restes tard si t'aimes. Quelques instants après, j'ai déterré l'encrier. En créant sans prier, pour hurler sans crier. Sans accroc, sans vriller, dans la voix l'encrier. Pour recevoir sans briller et donner sans trier. Le slam a giflé mon esprit, puis libère les passions. Secouant mon envie créative, restée en hibernation. À la recherche de ces ambiances, dans tout Paris, je vais zoner. C'est décidé, ma voix est libre et son timbre va résonner. La poésie dans les bars a rendez-vous avec la vie. Je l'ai vue et tu le vis, je l'avoue, je l'ai suivie. Elle prend forme, elle grandit, elle rayonne et elle s'entend. Elle t'enlace et une fois qu'elle te tient, elle prend son temps. La poésie dans les bars ne sort pas que de nos voix. Le concept même de ces soirées est un poème qui s'entrevoit. La poésie se cache partout, sur le comptoir, dans ton demi. Elle déborde sur le trottoir et se propage l'épidémie. Moi j'oublierai jamais l'année où j'ai chopé le virus. Quand tu trébuches sur un hasard et que tu tombes sur un bonus. Ces soirées où l'on se livre, ces moments où l'on se lève. Des heures à user nos salives, croquer les mots jusqu'à la sève. J'oublierai pas ces instants rares où la nuit sert de terrain. À la recherche de l'éphémère, moitié inquiet, moitié serein. Je sais pas si le bonheur se touche, mais on l'a peut-être frôlé deux, trois fois. Dans cette atmosphère un peu louche, se reflétant dans nos voix. J'oublierai pas ces cœurs ouverts de toute provenance et de tout âge. Unis dans l'envie de découvrir, dans l'écoute et le partage. Ce qui était là ne changerait rien, même si tout était à refaire. Et puis en plus, un texte dit, c'était quand même un verre offert. Ces soirées sont toujours là, mais le mieux c'est quand tu fais connaissance. Rien ne vaut le charme de l'inconnu, la découverte et l'innocence. Cette nostalgie me rappelle souvent que j'ai aussi serré des mains. Des rencontres qui font que t'aimerais qu'hier déteigne sur demain. Je suis toujours plein de motivation et je récidive sans façon. Recherchant cette sensation qui vaut bien 700 passions. De cette époque non révolue, j'ai reçu un héritage viral. Une manie qui ne me quitte plus, c'est vrai. J'écris à l'oral. C'était un soir sans histoire, une fin de journée au destin sobre. 21h sans espoir, un mercredi d'octobre. J'ai entendu des voix qui touchent comme des chorales dans mon moral. Depuis j'ai de l'encre plein la bouche, depuis j'écris à l'oral.